Les News Virgin Radio. Votre restaurant Le Vieux Bistrot à Cabrières-d'Avignon vous présente les News Virgin Radio Vaucluse. Une famille vaucluso-gardoise à la télé samedi pour un air de famille, on en parle dans les news. Gérald Suras, bienvenue, un air de famille, c'est une émission que vous pouvez retrouver les samedis à 18h50 sur France 2 où des familles de chanteurs amateurs s'affrontent en toute convivialité, coachées par des parrains au rang desquels Elisa Tovati, Michael Miro et Gilbert Montagnier. Et ce samedi, nous retrouverons des dignes représentants du Vaucluse et du Gard, la famille Giraudier. Philippe, le chef de clan, est notre invité, il nous présente sa famille. Moi je suis le papa, la maman c'est Martine, mon ex-épouse, et les deux enfants, Karine et Johan. Et c'était important pour toi justement que ton fils participe à cette émission. Oui, parce que justement, dans les années 80, on avait un groupe familial donc, mais Johan à l'époque était trop petit. C'est quasiment une thérapie. On a appris que Johan, tout compte fait, ben, il avait un peu souffert de ne pas pouvoir participer au groupe et donc il avait vu ça d'un œil extérieur. Et lui qui fait de la musique maintenant, c'est avec un grand plaisir qu'il intègre le groupe Clin d'œil qui renaît un peu grâce à cette émission. Vous ne connaissez pas encore le résultat et pour vivre ce moment en direct, il y a quelque chose qui est organisé chez vous à Bagnols-sur-Cèze. Exactement, oui, parce qu'on est originaire de Bagnols-sur-Cèze. Moi, je suis maintenant à Baume de Venise, Johan est à Vauvert, Karine à Goudargues, seule Martine est restée à Bagnols-sur-Cèze. Mais c'est vrai que l'émission aura lieu comme en direct, elle a déjà été tournée, c'est vrai, mais on a tourné 3 prises sur lesquelles c'était nous qui avions gagné, puis c'était l'autre équipe et puis l'autre équipe. En direct, on va découvrir ça et on a eu envie que tout ça, ça se passe avec du public. On a organisé donc une soirée au Café de la Bourse à Bagnols-sur-Cèze. Alors le Café de la Bourse, en plus, pour le petit côté anecdotique, c'est que ça a été à l'époque le premier café à Bagnols-sur-Cèze qui nous avait donné notre chance en tant que groupe. Et donc c'est un peu retour aux sources. C'est vraiment la renaissance du groupe Clin d'œil. On sera en direct, il y aura un écran géant pour suivre tout ça en notre présence. Il y aura des résultats, donc du coup, on boira un coup pour fêter ça ou on boira un coup pour oublier ça, mais de toute manière il y aura donc derrière un concert du groupe Clin d'œil. La priorité dans tout ça, c'est la chanson, la musique et le plaisir de partager tout ça ensemble. Et pour voter pour la famille Giraudier, tapez 1.